Depuis quelques semaines, ils fleurissent sur les routes de notre métropole. Trois nouveaux radars au feu rouge seront mis en service à partir de ce soir minuit. À Lille, ils seront placés au croisement des rues de Turenne et de la Bassée et sous le boulevard Montebello. Un autre sera opérationnel à Wattrelos, rue de l'Union. À partir de ce soir, les radars au feu rouge seront donc au nombre de 9 dans la métropole. Alors que pensez-vous de la multiplication de ces radars d'un nouveau genre? Réponse au micro de nos reporters Tanguy Lécluse et Édouard Lavallée. Vous aviez vu le radar derrière vous ou pas? Pas du tout. Non? Vous non. savez à quoi il sert? Pas du tout. Je suppose à flasher les gens qui vont trop vite, non? Orange, des fois je passe orange moi. Ouais. Et le feu rouge, jamais. Hein? Ça m'est arrivé, ça m'a déjà arrivé, hein, je veux dire franchement. Ça m'arrive quelquefois. Ce que j'en pense, bon, bon, faut, si ça peut permettre d'éviter des accidents dramatiques, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est nécessaire. Hein. Surtout dans le coin, le soir il y en a pas mal qui roulent très vite. Hein. C'est pas correct de prendre les gens par derrière. C'est une bonne idée pour alimenter la vache à lait. Je vous rappelle tout de même que ces radars sont placés au carrefour dit dangereux. Je vous rappelle également que vous risquez le retrait de 4 points sur votre permis et 135 € d'amende en cas d'infraction.